Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo Best of Forge Magie. Bon visionnage. Je suis pas convaincu par le puits, mais les congruences sont bonnes. Donc on va filmer, mais on va pas compter. Voilà, on va partir là-dessus. Tac. En vrai, ça se passe bien. En vrai, c'est beau ça. J'ai aucune idée de combien de puits. Hein. Aïe, 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 évidemment. Bon bah écoutez, ça va partir en petite rune trans, je peux trans à la pâte à retrait PM, donc plus 3. Donc bon, bah, c'est quand même assez smooth, hein, ça servira, ça me servira cet item, donc c'est cool. Hop, voilà, 8 retraits PM. C'est quand même plus facile avec des runes qui passent à 100%, hein, ça c'est vraiment magnifique. Hein. 24 de puits, bon la vita pas ouf, l'intel pas trop mal, on va commencer par la Rainée. Qui crit, ok, ça met bien. Petite repère, moins 6. On a vraiment très très peu de marge avec le. Avec l'invoque, moins 5. En vrai. Il me reste combien? Il me reste 13. Il faut absolument que je mette la res R. L'appât âge, l'appât. En vrai, je pense que je vais commencer par pavie. Si je pavie, ça me fait 8. J'ai 7 d'over. À tout moment, je peux pavie. Ah oh oui! Let's go! Tac, et là, petit trait R. Bon, je pourrais faire le chimique, mettre des runini, essayer d'avoir du moins 7 qui pop. En vrai, est-ce qu'on le ferait pas? En vrai, on est entre nous ou pas? Allez, on va pas commencer à faire les choses n'importe comment. Regardez, tac. J'ai sorti un moins 9 vita en fait! Mais bien sûr! Comme ça soigne de ouf! Mais c'est. Vous croyez qu'on est où là? Non mais, bon. Si vous voulez, c'est magnifique ça. Ça, c'est très beau ça. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc il me reste 10. Tac. Alors par contre, attendez, j'ai eu plus. Plus 0,8. Plus 0,3. Moins 1. Ah là, il faut compter, hein, il n'y a pas de choix. Moins 2. Plus 0,7. 8,8 depuis. Peux donc mettre ma petite page. Oh oui! Moins 3. En vrai, je peux tenter le 2R. Ça, c'est parce que j'ai eu le raid, ça. Vous voyez? Vous me donnez de la force. Bon, en vrai, on est sur un jeu qui ressemble à quelque chose quand même. Là, on va pas se mentir, parce que l'item est quand même pas facile à faire. Ok, là j'ai le. La pression monte. En vrai, ça me mettrait tellement bien d'avoir ça qui passe pour le cas PVP là. Bon, allez, vous êtes 400 en vrai. Je peux bien avoir une invoque. Je. Bon. Je clique ou pas? Faut trouver la force là, hein, la force de cliquer dans l'index. Oh, j'y ai tellement cru. J'ai tellement cru. Bon, on y retourne. Unlucky. On peut aller chercher. Oh, ça fait mal déjà. Bon, idéalement, j'aimerais bien mettre de la pavie ravipode pour avoir du perf, mais l'item va pas être facile à faire avec les 50 de sagesse. On va pas commencer à faire le greedy boy. On va y aller tranquillement comme ça. Ok. Je pense qu'il va falloir qu'on termine les tentas par PO Rasa pour avoir une chance que ça passe. Parce que sinon, ça me paraît quand même très compliqué à faire. Ok, le crit. Oui. Bah, c'est bien ça. Ah, bah non. C'est pas bien ça. Moins 12. Il me reste 15. En vrai. Le mieux que j'ai à faire, c'est essayer de soigner les lignes que je peux. J'ai moins 6. Ok. Là j'ai plus 0,1. J'ai 9,8. Je peux tenter des runes ici peut-être. Ok. On va y aller en rune vie. Non, en rune intel. Voilà. Allez, PO écrit Traça, s'il vous plaît. Ok.
en vrai. Pourquoi je fais comme ça? Parce que si le PO passe, bon déjà c'est cool, et après la Rasa, en fait, si elle crit, bah c'est ouf. Et si elle passe en succès neutre, il y a une chance qu'elle casse le PO, auquel cas, ça me fait un peu de pu pour remonter encore 2-3 lignes et pour essayer de remettre le PO, vous voyez, c'est pour ça que je fais dans cet ordre. Là, en vrai, froid, si la Rasa passait, ça me mettrait archi bien. J'ai vraiment besoin de cet item. C'est le dernier qui me manque pour pouvoir faire du PVP avec mon Ika Flip. Donc là, j'ai vraiment envie qu'il passe. Ce serait vraiment chouette si on pouvait avoir la Rasa là. Ah là là. Après, le call, c'est que là, je peux essayer de mettre les plus grosses runes pour essayer de casser le PO. Ah, mais, what the fuck. Oh là là, la Pado. Si j'ai un crit Pado, c'est bon. Alors là, par contre, ça va être technique. Ça entretient le suspense, hein, mais c'est compliqué, là, il me faut le soin. Non, bah tant pis, on continue, c'était à pas grand-chose, je pense qu'on va quand même on va s'en sortir avec ce genre d'approche, mais là c'était très beau. C'est un peu un ascenseur émotionnel, mais c'est comme ça. Allez, on continue. 47 depuis. Alors, je pourrais bourriner les pavis. Je suis plutôt ravi. Ok, enfin ça me troll pas. Into fuite, et là on est bien. Ensuite, il faut rainer into de feu. Oh, le cri de soin, j'en avais vraiment besoin là. Il me reste 12. Ah, en vrai, attendez, mais c'est pas mal ça. Oui. Moins 5, il me reste 7. Mais. Ok. Il reste 1. Là, ça. Let's go, les amis! Mais je vous l'avais dit qu'on allait le faire comme ça en fait. Mais qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous. Mais je vous l'ai dit ou pas? Bon, ouais. Non, bah ça régale, c'est bien. J'avais besoin de finir l'item ce soir, bah ça me régale. Bon, et je vous avouerai que là, vous voyez le petit moule reliquat là. Bon, j'aurais aimé qu'il y ait une petite page en plus. Ça aurait fait un truc qui est. On aurait un peu step up sur la gueule de l'item, vous voyez ce que je veux dire. Là, le 37 agi me chiffonne, donc je vais être très honnête, il y aura une autre session tryhard pour avoir mieux. Mais là, j'en ai besoin pour PVP, donc on va s'arrêter là. J'ai commencé à compter où? Ouais, mais non, j'avais pas de puits en rab. Hein. Je regarde si j'ai pas peut-être, j'ai pas une petite tentape à agi qui reste en rab. Non, mais si vous voulez, les vrais forges magiciens, ils terminent leur FM à la Rasa, en fait, c'est ça, évidemment. Évidemment, comment faire autrement? Donc bah c'est parti en fait. Hein. Bah, là, je vous avouerai que j'espère pas grand-chose. On va cliquer les runes et puis on verra ce qui se passe. Mais je suis un peu dépité. Je vous avouerai le. Ah oui, c'est bien ça. En vrai, les congruences sont insane. Les congruences sont insane. On va voir si on en tire quelque chose. Mais vraiment le moins 40 ravis de la première tenta m'a détruit le moral. C'est très très dur. Mais allez. En vrai, trois passa, une rasa, voilà. S'il restera le pas, le reste est plus relativement correct. Mais c'est chaud. J'en étais où là? Moins 4. Plus 2. Plus 95. Moins 4. 93 depuis. Bon. Va falloir grid un peu, je pense. On va go double passa pour commencer. Moins 18. On va pas d'eau, faut que ça crit. Voilà, ça met bien. On va monter ça. Alors la bonne nouvelle, c'est que là j'ai du crit, j'ai pas d'over à faire. Je vais tomber bien sur la vita, je vais être à 299. On va mettre une fuite, ça crit. Vous voyez là, si ça passe très très bien, c'est parce que je mets les lignes à moins 1 du max, sur les lignes qui se montent à plus 1. Donc ça, c'est pas dégueu en vrai. On va mettre le crit. Ok. Moins 10. Ça se présente plutôt bien. Bon, la sagesse va être problématique évidemment, mais bon. On a pas mal de dofus. Je vais m'occuper de la vie maintenant, parce que j'ai peur que ça troll. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, moins 15. On va mettre les repères. Moins 18. Deux cris, deux feux. Moins 10. On reste 22. On va mettre la fuite. Moins 8. 14. Pas ça qui crit.
Bah ça va se jouer un Kitrasa, hein, sans surprise. Malheureusement, là j'ai. Alors en fait, c'est. À 120 000 Kama l'orbe et 40 000 Kama la rune Kappa, j'ai mis 160 000 Kama par Tanta. Donc là, sur 300 Tanta, j'ai 48 millions de Kama qui sont partis là-dedans déjà. Sans compter les autres runes. Et là, il me reste 40 millions en cash. C'est pas l'envie de tryhard et de défoncer 1 milliard de Kama qui me manque, mais le problème, c'est que j'ai une ceinture 11 de corruption Exopea qui va m'être migrée depuis le serveur Hush et qui arrive demain matin et que je dois acheter 50 millions. Donc en fait, par respect pour la personne qui me la vend, je peux pas me permettre de pas avoir le cash quand il arrive, donc je vais être obligé de stopper le FM ici. Sinon, je pense vraiment que j'aurais tenté la Rasa. Mais là, je vais être obligé d'y aller un peu safe parce que voilà, je vais avoir 50 millions à débourser demain et je veux pas faire l'affront à quelqu'un qui migre un item d'arriver et lui dire j'ai pas de Kama, est-ce que je peux te payer avec un équilibriste majeur? Donc voilà, prenant en compte ce facteur, je vais devoir ne pas grid. Donc je vais pas ça et Dopu. Ok. Ok, j'ai zéro. Bon. Petit tas d'osso. Hop. Bon, là où ça va être un peu plus joyeux, c'est que on va pouvoir trans d'autres trucs. J'ai costumage. On a une petite coiffe séculaire. Tas d'osso. Elle est signée. Alors ça, c'est celle qu'on avait réalisée récemment. Là, en fait, c'est la finalisation du stuff PVP feu pour les K-Flip. Parce que je vais coller juste après, donc c'est parti. Petite transe de sort là-dessus. Bon, je vous remonte pas léger, vous les avez vus en vidéo précédemment. Alors là, l'item là, bon, en G-random, ça vaut plus de 100 millions de Kama actuellement sur le serveur. Donc celui-là, en fait, on est à moins 1 de vita sur une JH. Je pense que. Je vous laisse mettre vos estimations dans le chat du prix de ce truc, mais voilà. Hein, bon. On est sur un item qui ressemble à un item, quoi. On va signer évidemment parce qu'on est évidemment le pro des signatures sur la transe. Petite JH, moins invita, transe, dommage distance avec signature. Vraiment celle-là elle régale. On va tabasser les amis. On va tabasser. Je vérifie que c'est bien la bonne. Hein. Là c'est pas le moment de se tromper. Bah eh ben non c'est pas la bonne, je suis un bouffon. C'est une dommage distance que je dois mettre là-dessus. Putain j'ai pas crafté les bonnes runes, je suis un singe. Ok, NP, bon bah celle-là on va la faire après. On va la faire après, ça me servira de toute façon des tas d'osso, il n'y a pas de problème. Je vous rassure, ce serait pas passé si j'avais cliqué. Alors, ceinture séculaire. Bon, pareil, celle-là, vous l'avez vu précédemment. Tas d'osso signature. Hop. Petit Anoreus. Anoraeus, enfin, je sais pas comment vous prononcez ça. Bon, moins 1 vita. Pareil, ça a fait un brisage PA, donc c'est pas évident à choper, ça, c'est un très beau jet. Ah, je fais pas les choses à moitié pour mon stuff. Hein. Évidemment, comme d'hab, je vais faire deux colis, je vais vouloir tout changer et j'aurais perdu 200 millions de Kama, mais j'ai l'habitude, il n'y a pas de problème. Bon, donc petite tranche de dommage sort là-dessus. Ouais, il manque un peu de PP. On peut tenter le crit pas prosp. Alors, je vais éviter de passer le curseur dessus parce que je suis en mode avancé, donc si je misclic, là, je crois que je vais pleurer un coup. Donc, allez, c'est parti, le petit Anoreus. C'est bien la bonne, hein, ces deux sorts. Hein. Ouais. Ok. On termine par la petite beauté que je vous ai montrée précédemment. L'Aja H. Let's go, les amis! Boum! Ah, ça c'est beau ça. Bon, bah, littéralement plus d'une heure après le premier puits, on a le deuxième, bah, ça régale. 72 puits, j'ai déjà une ravie qui est pas passée, que j'ai cliqué un peu vite. Ça régale pas. Et bah c'est parfait, moins 33. Ah là 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 là, compliqué la vie. Hein. Réfix, non, il y en a déjà sur l'item, on va pas commencer à int. Ok, tech. Rage. Je suis trop con, la rage, j'aurais dû la mettre avant la pavée. Je fais nimp. Ouais, littéralement, ça fait plus d'une heure que je suis en train de bourriner les runes. Je sais pas, j'ai dû perdre 4 ou 5 millions de Kama en runes pour avoir absolument rien, et là je suis en train de int. Ah non, je n'int pas, j'ai la prospection qui me rattrape. J'ai juste int une ravie en fait. Bon, c'est ok.
Enfin non, c'est pas ok, mais c'est fait. Donc, esquive PA, qui crit. Je l'ai compté ma rage là, non. Moins 10, il me reste 27. Mettre 2 R. Après, je me maintiens très très proche du G-Max, mais... Ah oui, accessoirement, je sais que j'étais en 15 d'OR pour la première tenta, mais ça, c'est juste pour faire des... pour que tous les mecs qui commentent direct, ils mettent les commentaires dans le chat YouTube, et ça fait monter ma vidéo dans le référencement, donc c'est opti pour le YouTube game, hein, ça, c'est du Theorycraft. Vous inquiétez pas. Hop, hop, moins 2. Non, par contre, il reste 15 tout pile. Ça régale, parce que 15, c'est quoi? C'est une tenta dommage distance. Dos perdu. Qui passe pas. Est-ce qu'on a le PM là-dessus? On a le PM en vrai. En vrai. En vrai. On va pavi. Moins 6. Je vais ravi. Ok, ça passe. Moins 10. On va chercher Lini. En espérant pouvoir bidouiller un truc. Ok, la rune faux. Oh, dommage. J'aurais bien aimé avoir un moins 3. Bon, ok, on part là-dessus. Rune chat, moins 2. On va avoir chance, moins 10. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Le reste de l'item est plutôt haut. La J qui passe aussi. On n'a pas eu d'échec sur les rats. C'est un très très bon début. Moins 12 pour la repair. Moins 20 pour les dommages, c'est un peu triste. 26 restants. J'ai 2 de puits en rab. Je peux tenter un crit à la ré, à la, je peux tenter un double crit à la réfixe. Non. Repair. Là j'ai moins 6, il me reste 20. Je peux encore tenter le double crit à la réfixe du coup. C'est du tryhard ça. Hein. Ok, je l'ai pas eu, donc il me reste 3 tentas. 1, 2 et 3. Le PA qui passe. Première tenta PO. J'accepterai du 3% sur l'item. En dessous de 3%, là je vais tenter le PO. Parce que j'ai besoin d'un exo PO. Pas de PO. 96 de puits sur ce PA qui a pris son temps pour tomber, on va dire. On va commencer par monter la fuite qui est en sujet, qui est le petit crit. Bon, là il va falloir over et rat en espérant que je perde pas encore 70 sur la rat. Moins 10. Bon, ça commence plutôt bien. On récupère pas l'over. Alors là, la Vita. Là, je suis un peu in the sauce pour la Vita là. Moins 40, ça fait un peu mal. On peut chercher de la sorcellerie avec de la runini. Évidemment, le moins 6, ouais, il aurait fallu que j'ai ça, que ça passe sur une des deux premières. Bon, c'est un peu le pire cas de figure qu'on se tape, mais bon, tranquille. On va double rat. Ok, le crit. Et ça passe. C'est correct en vrai. Moins 9. J'espère qu'il nous restera de quoi tenter une petite rune Vita Pod à la fin pour avoir le perf. Parce qu'en plus, on a le 40 sagesse, ça met bien. On va mettre un peu de dommage. Moins 8. La fuite. Double prosp. Moins 3. Moins 9. C'est évidemment pour PVM, on prend la PP. Hein. Bon, bah écoutez, on va pouvoir peut-être aller chercher notre 3 attentats sur la pavie. Moins 6. Alors là, il faut juste que la pod ne passe pas. Bon, bah là, il nous faut le PA, la rune trans, et on est bien. Hein, on va voir ça comme ça. Petite transe dommage distance sur un G full perf, ça serait vraiment très cool. Est-ce qu'on a le PA, les amis? Ben voilà. Voilà. Ça me fait plaisir en fait parce que le PA il a mis, je crois, à peu près une heure à tomber.
Et ça fait 1 heure que dans le chat, on me dit ta façon de gérer l'item est à chier, tu n'auras jamais le GPRF, etc. Et j'essaye d'expliquer par A plus B depuis tout à l'heure dans le chat pourquoi je fais ce que je fais pour sécuriser le maximum de chances d'avoir un GPRF à la fin. Bon, si vous voulez une démonstration technique, des fois ça vaut mieux qu'un milliard d'élucubrations dans tous les sens. Donc voilà, bon allez, je vais chercher ma rune trans et on passe ça tout de suite. Allez, petite rune trans, c'est parti. Fin de ce FM, bon, qui c'est finalement. On n'a pas eu beaucoup de temps à PA, ça a plusieurs fois été assez long à tomber, mais on s'en sort quand même finalement bien avec un temps cumulé et un nombre de runes qui est quand même relativement raisonnable, donc je suis plutôt satisfait de ce FM. Ok, donc là, le PO qui tombe pas longtemps après, le G il est encore très très haut. Malheureusement, il y a une ligne qui fait chier, c'est l'intel. C'est vraiment le seul truc qui nous troll. Il faut absolument que la Rainée elle passe. Il y a peut-être encore moyen de récupérer quelque chose. Hein. On va aller chercher. Repère. Récrit. Petite rune random. Moins 5. Ça peut le faire, hein. Il faut juste que tout passe bien. Pourquoi? C'était good, on avait l'attentat à chasse et tout. Oh! Bon, là on a un petit problème de puits si vous voulez. On a moins 12. On a moins 2. On a tout pile 0 de puits là. Le problème, c'est que là, j'ai pas ma rune chasse. Entre nous. J'ai un passif avec cet item. J'ai déjà passé des jets qui avaient de la gueule. Allez, je pense que... Le chat me dit de le vendre. Mais pourquoi comment vous voulez qu'on ait des near perf PA si on met pas de PA sur les near perf en fait? Ouais, je vais arrêter de me... Le chat, il me fait perdre de la noblesse. Vous allez me rendre mou à force, là, avec vos trucs... Oh, vas-y, vends-le. Non, non, non. Ok. Pas de regret, on continue. 46 depuis. Toujours un peu technique, la vita à gérer, hein. C'est toujours le problème. Une petite rune chat qui passe. Moins 6, pas de chance. Deux feux. Moins 4. Moins 12. Moins 9, il me reste 1. J'ai encore pas de tente à chasse, vraiment, c'est ma vie ça. Bon, si vous voulez, je venais. Le chat a pété un câble en fait parce qu'ils m'ont dit que j'abusais de mettre le PA, j'aurais dû le vendre, machin. Et je leur ai dit, je vous préviens, si les cas de figure se représentent. De toute façon, pour PVP, je trans que sur du full perf, et pour PVM, il me faut arme de chasse. Donc, si le cas se représente, je PA en fait. Donc, bah, c'est juste parti en fait. Pas de PA. 42 depuis. Alors là, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de deux feux à récup. J'aurais bien aimé avoir un deux feux à claquer sur l'Overvita qui passe. C'est déjà un bon début. Là, ça m'aurait fait un moins 25, ça aurait été ok. Alors, ce que je peux faire, c'est. En vrai, je peux réécrire. Pourquoi ça... les crits c'est toujours quand j'en ai pas besoin, c'est un truc de fou quand même ça. Hein. Je pourrais claquer une painée, c'est archi greedy, mais si ça passe, ça me met hyper bien. Oh, let's go, let's go! Mais bien sûr en fait! Ok, donc ça c'est très très cool. Je pourrais mettre une prosp en vrai. Bon, l'idée c'était quand même d'enlever mon over, donc les crits ça va 2 minutes. Ok, bon, c'est acceptable. On va y aller comme ça. On va faire par écrit, moins 12. Fuite qui crit. Bah enfin, je vais l'avoir ma tente à chasse. On a 20 de puits, mais c'est une tente de psychopathe que j'ai là. On a encore 20 de puits sur ce jet, qu'est-ce qui se passe? On va même pouvoir monter la PP. Allez. 11.
Est-ce que je me garde deux tantas runes chasse? Ou est-ce que je m'en garde qu'une? Ça, c'est le truc. Le truc, c'est que là, j'ai deux tantas prosp, une chasse. Ah, mais on va pas laisser un item à 14 pp pour... Enfin, 14 pp. Oh, tu le mets à 11 pp, tu te dis, c'est un jet négligé pp, ok. Mais tu laisses pas un item à 14 prospection. On est où, là? Oh, non, mais attendez, vous m'avez écrit pour qui, là? Évidemment qu'on go pp, en fait. Bon. Mais voilà! On peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, en fait. Qu'est-ce que vous allez me faire? Évidemment! Évidemment, les amis, mais voilà, de temps ta chasse. Évidemment, je me fais boulos par le jeu, mais comme toujours, en fait. Et on a le PO, mais on n'a pas la rune chasse, donc on va encore mettre un PA, parce que voilà, c'est ce qu'on fait. Alors, pour l'histoire, les amis, c'était quand? C'était hier ou avant-hier? Oui, hier, je crois. J'ai tenté deux PA sur des jets near perf comme ça. Bon, classique. Sauf que. J'ai passé un exo PA random pour un mec cet après-midi qui m'a demandé de lui faire un exo, un truc débile. Il m'a payé pour lui faire 3 tentas. Genre le mec il s'est dit vas-y je vais payer un forge de mage pour lui faire 3 tentas, pour qu'il me fasse 3 tentas sur mon exo. Qui fait ça? Bon bref, moi vous savez le client est roi, il paye, je lui fais ce qu'il veut. Et là, évidemment, ma première rune PA qui passe. J'avais envie de tout casser. J'étais en mode mais putain mais ça fait des mois que je travaille des PA sur des jets de ouf PVP, sur des items 200. Et pour un random qui fait un anneau éclaté, il y a le PA en first try. Donc évidemment, voilà, il va pas passer, mais bon, si vous voulez, pour le beau jeu, on va quand même le tenter. Donc bah, c'est parti, on clique. Ah, pas de PA, pas de chance. 46 de pluie avec une vita affreuse. Voilà. Voilà. 19. En vrai. Ouais. On va y aller comme ça. Hop, hop. Hop. Et hop. Mais non, mais pourquoi elle troll tout le temps celle-là? Évidemment, il me reste 4 et une tenta à chasse, c'est... C'est 5, et j'ai le seum, c'est terrible en fait, c'est tout le temps ça ma vie. C'est tout le temps ça, quoi que je fasse. Je me fais bolos par les items en forge de magie. Ben, je regarde si j'ai pas un peu de puits qui reste avant, mais... Je crois pas, hein, j'avais regardé. Attendez, j'avais commencé où? PO est tombé là, j'avais compté jusque là. C'est chiant, là j'ai moins 9,6. Ah oh, bah oui, avec un moins 9,6, on va pas aller loin. Non, bah, je suis abattu. Je peux tenter un crit. Je peux tenter un crit chat et je gagne une tente arme de chasse. Alors, quand je veux un crit chat, je vais me faire foutre. Par contre, les crits de prospection, c'est juste la fête en fait, c'est ça? Bah faut cliquer, hein. C'est... J'ai pas le choix, hein. Pas de PA. 46 de puits. Alors, je pourrais soit double rainer into de feu, soit double painer rainer, récupérer l'over. Je vais y aller comme ça. On va y aller très très safe. Ah putain, moins 20 là-dessus. C'est dommage. Le jet était très très haut de départ, mais... Une rainer qui passe pas et ça devient tout de suite très compliqué. Allez, faut que ça troll pas. Il me reste 14 en vrai. Oh oui. Mais let's go en fait. Deux tentes à chasse, les amis, sur un moins un vita. Est-ce que c'est maintenant? Ça fait littéralement une semaine que je suis sur l'item. Le PO, s'il vous plaît. Ça fait longtemps quand même. J'ai 18 persos à stuff. C'est le CAC de un perso parmi 18. Si je passe une semaine par item, en 2023, ma team n'est pas prête. J'ai besoin du PO, vraiment. Oh putain. Littéralement 3 runes plus tard, le PO qui tombe sur un G, le PO était repassé hein, juste avant l'attentat random d'avant. Donc là, par contre, c'est une dinguerie. J'ai 45 de puits. Je suis en moins 1 vita.
Et en plus, on se fait pas troll. J'ai 31 de puits, on va même aller chercher la PP. Hein. Cinq tentarunes une chasse sur un moins invita. Je pense que là, on peut se permettre de me passer la rune chasse. Alors, on propose de toucher la vie, mais j'ai très peu de chances d'arriver à aller chercher le 350 avec 25 de puits. Et ça aurait trop de chances de juste m'enlever mes tentes à chasse, en fait. Donc, je préfère aller chercher la chasse. D'accord, donc ça, c'est ma vie, en fait. C'est d'avoir 5 rune chasse qui passent pas. Et pas de PO. C'est bien, Defus, on adore. Magnifique Tanta, 44,8 de puits mangé est vraiment très haut, c'est magnifique. Il n'y a vraiment pas grand chose à remonter. Allez, over Vita, over Intel, il faut pas que ça troll. Nice, ça commence bien. On va sécure à la pod là. Là on a 38 de sagesse, on part dans l'optique de faire du near perf mais propre. J'ai plus 0,1, allez, la Rainé. Oh oui. Moins 7,5. On va mettre une petite rune chat. J'ai 12 de puits. On va mettre 2 runes chasse. Allez. Ça commence à faire un peu longtemps que je suis sur l'item. Si vous voulez, j'apprécierais que le PO repasse, quoi. Pas de PO. Je suis abattu. Bon, bah littéralement la ligne d'après, on a le PO qui tombe. Donc ça peut donner un truc. On a un G qui est encore plutôt haut. En vrai, je vais go. Pas vie. Donc là, j'avais 45. J'ai moins 6. Moins 10. Ok, on récup. Oui. Oh, ça se passe bien. Moins 10, tout est parfait. Mais attendez, mais j'ai plus de ligne à monter là, on est où? 19, qu'est-ce qui se passe? Je pense que la sagesse, c'est de garder deux tentes à chasse. Donc j'ai 3 tentes à prosp. Voilà. Moins 6, 13. Est-ce qu'il est possible que j'ai une tenta restante d'avant? Non, là j'étais à 0 et là j'ai pas eu de puits. Ok, donc j'ai pas de rab. En soi, j'ai une tenta sagesse sans crit qui passe pas et deux tenta chasse. Évidemment. Bon, on va voir ce qu'on peut faire de ça. On commence par un petit crit plutôt stylé. Moins 6. Oh, deuxième crit stylé. Alors là, par contre, ça nous met bien. C'était une tenta pas ouf. Ça devient une tenta potentiellement intéressante. Ça devient une tenta qui a vraiment de la gueule. Mais what the fuck? Est-ce que tout le karma que j'ai accumulé depuis le début du FM est en train de se décharger? Ah, je me disais aussi. Oh, quoique. Attendez. Là, du coup, j'ai moins 20. Reste 4, bah, évidemment. Je pense vraiment pas que j'avais un de puits en rab, malheureusement. Bon. On va dire que j'avais peut-être un de puits en rab. Je sais que je les ai pas, mais... Je les avais. Vous avez vu, j'ai fait de la psychologie inversée pour bait le jeu, en fait. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, bon... Là, c'est le moment où il faut mettre un PO, par exemple. Parce que ça commence à faire longtemps que je suis sur l'item, si vous voulez. Ah bah non, pas assez longtemps, apparemment. Bah, c'est vraiment une lucky. Ça peut faire un truc si la Vita passe bien. Bah, par exemple, comme ça. Allez, les réécrits. C'est maintenant qu'on fait pas nimp. Allez, la part écrit, please. La fuite. 26, c'est bien 26, non? Regardez.
C'est trois tentes à chasse, ça. Bon. L'intel, oui. On va crit, regardez. Non, mais ça passe. Voilà. J'ai encore ma tente à chasse, comme ça. C'était pour perturber l'item. Après, ça passe mieux. Vous allez voir. Ah. C'est pas passé. Pas de PO. J'ai pas assez perturbé d'items. J'aurais dû commencer par la chasse avant la ravie, je pense. Tant pis. 45. Oui. On récup. Ça commence plutôt bien. Ah. Oh, va falloir que je calcule là, c'est vraiment ça ma vie. À mon avis, ça fait moins 4 plus 2,5. Voilà, on va y aller comme ça. On va dire que c'est le puits que j'ai. Moins 2. Allez, moins 10. Nice. Oui! Yes! 21. Bon, est-ce que c'est maintenant qu'il se passe quelque chose? En vrai. Reste 15. Je pense que je vais tenter le 15 pp. Je vais me garder deux tentes à chasse à chaque fois. Nice. J'ai 12-6. Je peux regarder si j'avais pas un peu de rab. Et peut-être grappiller une tente à sagesse. Je vais relire un peu. Ça me paraît très peu probable, mais. Je regarde la gueule du FM au-dessus. Non, j'ai aucune raison de penser que j'avais des décimales depuis. Bon. Ça fait combien de temps que je suis sur l'item là? Plus d'une semaine? J'ai les 15 pp. J'ai les mêmes stats en vita et sagesse que sur mon corrompu PM. Ah, je ne vous cacherai pas que si elle passe pas celle-là, elle va me faire mal. Je souffre. La douleur s'abat sur moi. Tel l'orage sur le mouton, ça fait mal. Pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter cette violence? Voilà. Bah next, hein. On va crit et ça va bien se passer. Hop. 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 Hop, 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 hop. Hop. Et là, c'est le moment où on crit une paf, c'est ça? Presque. Mais attendez, mais le G est monté là. Pourquoi j'ai pas compté le puits moi? On doit avoir un truc genre 43 au pif comme ça. 43 plus 3 peut-être. 46. 46 moins 10 moins 19 moins 10. Il me reste 7, mais j'ai une tente à chasse en fait. Mais. Bon, j'ai un peu moins de vita que tout à l'heure, mais j'ai plus de sagesse, donc j'ai un meilleur G en vrai. Par contre, j'ai pas la. Ah oui, j'ai pas la prospection, bon. Prospection. Entre un G avec les prospections et un G avec le PO, en soi. Donc là, il faut que je fasse crit. Pas prosp into crit prosp. Plutôt pas prosp into prosp ou plutôt prosp into pas prosp le chat là. Vous en pensez quoi? En fait j'ai mis la main dans un engrenage infernal parce que j'ai passé tellement de temps et de kama dans l'item, là je dois être à peu près
On doit être à 6 ou 7 streams à raison de streams en moyenne 3-4 heures, plutôt 4 que 3 d'ailleurs, et avec à peu près 10 millions de runes, 10 millions de kamas en runes bouffées à chaque stream. Donc je suis à peu près à 60 millions, on va dire, de kamas de runes sur l'item. Et le truc, c'est que j'ai eu pas mal de tenta en 15 prospections. Donc est-ce qu'on finit vraiment sur un 11 prospections? Ou est-ce qu'on se dit, bon, bah, maintenant qu'on est dans la sauce jusqu'au cou, autant plonger dedans les yeux fermés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Bon. Le chat me dit, ouais, vous avez l'air unanime, hein, tentez la paprosp. Ah, il y a mon modérateur, enfin ma modératrice qui fait un sondage sans me demander mon consentement. C'est compliqué. Est-ce qu'il doit s'arrêter? Oui, à 82%. Bon. Ah, la pression sociale, les amis, je. Fouf, c'est compliqué là. Ça a l'air d'être ouais, unanime, pas prospe pendant le chat. Crit PM. Ben, nul à chier PM là-dessus. Pas pong, pas prospe, 100% mieux. Vas-tu vraiment laisser l'item prendre ta dignité et jouer en 11 PP? En vrai, je crois que là, tu mets le doigt sur la vraie question. Est-ce qu'il doit s'arrêter? La réponse est oui à 67% du sondage. Bon. On est quand même. On est quand même, j'allais dire, dans une démocratie, mais non, en fait, on est sur ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Donc, ce qu'on va faire, les amis. Le truc, c'est que là. Là, je suis en mode avancé. Hein. Si j'ai un petit spasme, vous connaissez le réflexe amyotatique, par exemple? Ça peut se passer très très vite. Hein. Bon. Allez, il y a un sondage qui a été fait. Par respect pour ma modératrice, on va accepter le résultat du sondage, ce qui n'est pas un vote, hein, je précise. On va partir là-dessus quand même. Je vérifie que j'ai pas oublié une petite rainée ou un truc comme ça. Hein. C'est toujours un peu technique. Quatre-vingt-quatorze depuis. Ok, moins 13. On va sécure avec une refeu. Ok. Donc là j'ai plus 0,1. Moins 1. Pacha, moins 3. Moins 30, ça pique. Moins 4. Ok, le crit qui met bien. 43, non 45. Un crit. De crit. Est-ce qu'on a le PA, les amis? Oh, bah tiens. C'est le 26e PA qui tombe, c'est le premier qui repasse. 26e, hein. On a eu 25 qui sont pas repassés quand même, c'est un truc de fou. Est-ce qu'on a le PM là-dessus, les amis? Par exemple. Oh, on n'a pas le PM, c'est pas de chance. On continue. 95 depuis. En vrai, on n'est pas trop mal là. Moins 10, 13, moins 16. 73, ok. Let's go. Oh, nice. 72. On a 24 par époux.
Allez, nice. Donc là, il me reste 3 depuis, donc une tenta. Ok, qui passe pas. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? On a le PA. Ok, c'est là que on avait oublié qu'il y avait un PM sur l'item. Eh oui! Est-ce qu'on a le PM, les amis, sur ce moins de vita, moins de sagesse, over 19 repos? C'est pas trop mal. On n'a pas le PM. Bon, en remontant le G, là j'ai une tenta, enfin un peu bizarre, on va voir si on peut l'exploiter d'une façon ou d'une autre. On va go double pacha, rachat. Ok, bon, évidemment, si on full crit, c'est mieux. En vrai, est-ce que je brûle les pavis? Ouais, je go bourriner pavis. Ok, c'est vraiment très très fine. Moins 18. On va mettre ça comme ça. Qui crit. Rachat, qui crit. Mais décidément. Mais. Tant mieux en vrai, hein, il n'y a pas de problème. Hein, mais c'est un peu stylé. On va mettre un dos-feu. Donc là j'ai moins 5. On va se garder un dos à mettre. Moins 10. Comme ça je le récupère ici. Parfait. Et donc là, j'ai 55, c'est magnifique. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ok, en plus, ça passe. Donc 54, soit 18 par époux. Ok, je passe en manuel. D'accord, on a un 16 d'over du coup. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? On n'a pas le PA. 98 depuis. Ok, on va garder la Vita pour la fin. On va mettre double chance. Double de crit. La passa. On va mettre rachat qui crit. Do crit qui crit pas. Aïe, moins 20. Ok. Moins 3. La ravie. Moins 10. 22. En vrai, je peux spam les repous, je pense. Faut 2 moins 6 et 2 moins 5. Allez. 1 moins 6, please. Nice. Ben voilà. Par contre, les repous, on va se faire foutre, hein. Ok, j'ai 48. En vrai, c'est pas trop mal. 47, j'ai 15 tenta. Eh ben non, bon, j'ai plus de runes, on va y aller comme ça. Tranquille, 47, du coup, c'est parti. En vrai, avec juste les repous, c'est quand même plus marrant, je trouve. C'est marrant de voir le truc qui défile à gauche. Il y a un peu moins de variance, mais c'est plus amusant à faire. Ok, j'ai eu 0 crit. Est-ce qu'on a le PA? Oh! Est-ce qu'on a le PM? Oh! Ben c'est fini en fait. C'est marrant ça. 99 depuis. Alors on va essayer d'aller chercher le perf vita, comme on a le perf sagesse, ça nous fera un full perf. Alors on a plusieurs façons de s'y prendre là. On va plutôt y aller sur de l'appât. Ok, j'ai un moins 16, ça c'est très bien. Je vais remettre une pas. Et voilà, parfait, j'ai un moins 16, et là, il faut juste un petit moins 5 et pas un moins 6. Et je suis good. Yes! Bah, on est allé le chercher, on n'a pas du tout perdu de puits, donc là, c'est vraiment... Bon, pour l'instant, ça se passe vraiment très très bien. On va mettre une rune fuit. Moins 7. Une raage qui crit, évidemment. Je vais monter les dommages. Moins 10. Enfin, c'est vraiment très très facile à faire cet item, c'est très agréable. Ça fait du bien parce que je sors de sessions assez traumatisantes de Forge Magie, donc là ça me régale. Moins 3, j'ai 61, donc 10 tentares.
Allez, une. Ah bah c'est marrant ça. Évidemment, on a le PA. Bon, bah, invoque du coup. Est-ce qu'on a l'invoque, les amis, là-dessus? On n'a pas d'invoque. 98 depuis. Allez, il me faut un moins 10. Nice. On va mettre ça comme ça. Hop, hop. Moins 9. Je vais over maintenant. Moins 3. Petit réfixe. Qui passe, on récupère le puits, c'est super. Le crit qui met bien. Allez, dommage, dommage. Moins 3. Moins 5. Moins 8. Moins 3. 57-4. J'ai une tenta sagesse. Et 9 tenta repère. On y est. Bon, moi, si ça repasse là-dessus, c'est plié. Hein, fin de l'histoire. Est-ce qu'on a le PA, les amis? Sur ce G, moins 1 de sagesse. On n'a pas le PA. Ah oui, finalement, j'aurais plutôt besoin d'un PA ou d'une invoque, en fait, après réflexion. Donc, ça, c'est le petit détail. Et là, bah, c'est parti. Ravi. Moins 10. On va essayer de choper un moins 7 si on y arrive. Moins 6, ça va être un peu compliqué. Aïe, c'est pas vraiment ce que je voulais. Bon, bon, on aura test, hein. En vrai de vrai, en vrai de vrai de vrai, entre nous, ça se fait ou pas? En vrai. Attendez, c'est... Oh putain, j'ai failli mettre une... pas la bonne rune. Bon. Putain, ouais, j'ai voulu jouer, hein, je me suis fait troll. Bon. Moins 12. Moins 25. Moins 8. Moins 6, 5 tentares. Évidemment, on a le PA. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? En vrai, je pense que ça part en HDV. Et on va en faire une autre, en fait, hein, à mon avis. Allez, on enchaîne. 98 depuis. Bon, la Vita troll un peu. En vrai, je pense que je vais double pavis. J'aurais pu moins 6 pods, mais bon, risqué par rapport au gain potentiel. On va gérer les stats comme ça. Oh là là, merde. Qu'est-ce qui se passe? Bah super. Alors ça c'est assez frustrant, surtout que les PA mettent assez longtemps à tomber. Donc bon. Moins 5. C'est assez triste. Ok, le crit qui met bien. Moins 10. Moins 12. Une, deux, trois, quatre, cinq, moins 25. Oh là là, terrible. 13 de puits. Ben, on va pas aller très très loin, malheureusement. 1%. On a le PA. Oh, je me suis fait ruiner par la Pacha, là. C'est insane, hein. On va tenter le PO. Est-ce qu'on a le PO, les amis? On n'a pas le PO.
99,4 depuis. Bon, la sagesse pas ouf, la vita perf, c'est bien. Moins 9. On va venir. J'ai presque envie de rage. Une tour repair en vrai. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Le petit crit, les dommages. Moins 15. Moins 6. Moins 4. 55-4. Ok. C'est parti. 3%. Si on a le PA, ça me va. Moins 2 sagesse, 3%, c'est ok. Est-ce qu'on a le PA sur ce petit jet sympathique? On a le PA. Bon, je suis content. Dommage pour la sagesse, surtout que ça va être pour être joué sur un mode retrait PA, enfin au retrait PA sur un Xalor. Mais c'est fine. Et 94 depuis, bonne congruence Vita. Bonne congruence stats. En vrai, je suis très bien là. Je regarde un petit peu ce que je dois remonter. Bon, la sagesse, elle bougera plus. Le reste, j'ai bien soigné le bas. Je vais go. Je vais go Rainer. Par époux. Moins 16. Je vais mettre. Moins 3. Moins 12. Moins 15. Bon, on perd quand même pas mal sur les stats. Moins 5. Moins 24. Moins 16, what the fuck? Ah oui! Bon, on met une rune sagesse. Le PA. Voilà, donc on part sur une petite dosso là-dessus. C'est parti. Voilà, bah écoutez, ça m'est quand même plutôt bien. On m'avait dit que c'était infâme à faire, même en G-perf ou near-perf avec le PPA. Bon, je dirais pas ça. Il y a pas mal de lignes à gérer, mais non, bon, on a 300 vita, 62 stats, c'est pas non plus horrible. Je crois qu'on va devoir accepter de faire des tentas sur du near-perf en chance, parce que bon, c'est quand même très difficile ce qu'on essaie de faire. On va essayer d'être un petit peu raisonnable. Alors là, il va me falloir un petit moins 6. Ok. Nice. Bon, pour une fois que je me fais pas troll par ça, c'est déjà un début. J'ai peur de pas avoir le puits pour finir là. Ouais, évidemment. Évidemment, c'est là qu'on a le PO, mais c'est un truc de fou. Hein. Et voilà, et vous voyez, c'est exactement ce que je cherche depuis le début, mais juste ça me fait ça. Ça me fait ça quand je me fais troll sur la chance en fait. Par contre, en vrai, attendez, je suis en train de me plaindre, mais no joke, j'ai mis une rachat en fait là. Oh mais bien sûr! Alors, sagesse. Non. Faux. Alors par contre, non, on va plutôt mettre une vie parce qu'il faut pas que la faux passe. Ok, alors s'il vous plaît, le PO. Vous voyez, ma strat, rachat sin to PO, c'est exactement ça. Parce que là, on était en full discussion dans le chat depuis 20 minutes pour savoir est-ce que ma strat c'était du bullshit ou pas. Il me faudrait le PO en fait parce que j'aimerais bien l'avoir le PO là. Allez, faut cliquer. C'est vraiment un très très beau jet si j'ai le PO là-dessus et ça part en rune trans. Ah, quel dommage. Allez, on se démoralise pas, on continue. 45 de puits là-dessus. Ouais. Allez, le dommage qui passe. La pado qui crit. Il me reste 32. J'ai même de quoi tenter ma Rasa en neutre. Qui crit, évidemment. Allez, le PO, s'il vous plaît. Attendez, il me reste 32, hein. Ce qui veut dire que on pourra encore bourriner les tentats Pavie et Pod ou Sagesse si le PO passe.
C'est assez juste d'avoir 32 depuis là-dessus en vrai. Allez, s'il vous plaît, je me suis déjà fait troll une fois. Le G là, il est un peu, il fait moins stylé parce qu'on n'a pas le 400 vita, mais j'ai un de sagesse de plus, donc techniquement c'est un meilleur G. Hein. Allez, on va y croire les amis. Pas de PO. Toujours un régal les 19 dos. Et voilà, problème réglé en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, ravi. Hop, allez, moins 31, please. Non, toujours pas, décidément. J'ai pas de chance. J'ai envie de bourriner la rachat. Attendez, je vais juste checker j'ai combien vite fait. J'ai des broutilles là, j'ai 2, bon allez, 2,6. J'ai 2,6, plus 45, moins 20. J'ai 27 depuis là-dessus. En vrai, je peux clairement tenter de la rachat. Une fois. Deux fois. Nice. Je récupère là-dessus. Hop. Là, j'ai donc 7 restants. Je vais remettre le PO comme ça, je pense. Ok. Bon, là, j'ai ma tante à Rasa. Et j'ai encore 7 depuis après. Est-ce qu'on a une Rasa là-dessus, les amis? Pas de Rasa, dommage. Je peux retenter en espérant que ça casse le PO. Et c'est pas le cas. Tant pis, on continue. Bon, il va falloir qu'on chope le dommage pour monter à 20 et on aura peut-être une tenta qui ressemble à quelque chose en espérant. Ok, on s'est pas trop fait troll. Ça peut peut-être faire un truc. Ok, le crit qui met bien. Oh oui, ça j'en avais besoin. Il y a moyen que j'ai assez de puits peut-être. Oh putain, un de près quoi. Et évidemment, mais tout le temps en fait, c'est tout le temps comme ça. Oh là là. Bon, hop, allez, les padeaux. Je suis pas loin d'un G qui ressemble à un truc là. Hein. La Pado, please, casse le PO. Oh oui! Oui! Voilà, ça c'est ce qu'on cherche depuis tout à l'heure. Ok, alors. Donc je devais avoir un peu de puits résiduel d'avant, mais je le compte pas spécialement. Là j'ai 2. Plus 61, moins 15. 48 de puits. Ok, là on commence à jouer à Dofus, vous voyez? C'est exactement ça que je tryhard depuis le début. Il faut que la rachat passe. Ah, moins 30, c'est terrible. Ça peut encore se passer, mais il faut vraiment pas que je me fasse troll maintenant. On va mettre une repère terre au hasard. Ok, ça passe, c'est cool. Je vais pouvoir récupérer le puits. Allez, la crit. Nice. Donc là, je prends moins 4. J'ai deux tentats pour le retrait PA. Allez, please. Oui! Ok, le PO, je suis en moins 1 vita, c'est un jet de psychopathe que j'ai. Il me reste 7, mais bon, on s'en fout. Ah là là, s'il vous plaît. Là, c'est vraiment un jet insane. Ça, c'est un jet vraiment inestimable hein, sur cet item, un moins 1 vita. J'ai vraiment besoin que ce PO passe, les amis. J'en peux plus, en fait, de passer 4 jours par item ou une semaine. Bon, il va falloir trouver la force de cliquer, hein. Donnez-moi de la force dans le chat, s'il vous plaît. Donnez-moi toute votre force. J'ai ma petite rune transe à côté. Oh, mais attendez, j'ai même une tente à chasse du coup si le PO passe. L'arme de chasse, elle ira après le PO. Hein. Mais là, levez tous vos bras. Hein. Donnez-moi toute votre énergie vitale. Allez. J'ai besoin de ce PO. C'est un G de malade. Hein. J'ai rarement vu des G aussi propres sur ce système. Moins un vital là-dessus. Les 80 chances, les 50 sagesse. Allez, on y croit. Évidemment. Allez, on enchaîne. On va faire genre qu'on y croit, oui. Oui, bon, ok, ça part bien, on va pas se mentir, c'est stylé. Ok, allez, PO. Oh, bah, j'ai plus d'habitude. Bon, du coup, j'ai 39. Moins 10. Ouais, bon, j'ai plus de puits. Hein. Allez, la Rasa, please. Oh, bah, c'est pas de chance, ça. Je peux encore la forcer, peut-être. Oh bah oui. Ok. Oui. Nice. Oui. Ok. Oui. Non. Dès qu'il y a une rune qui passe pas, le PO repasse. Enfin, oh! Alors ça par contre c'est insane. Ça,
C'est insane. Genre, je peux avoir le full perf en succès neutre, sans crit traça. Alors ça, par contre, c'est juste une dinguerie. Du coup, je vais recompter le puits à partir de l'attentat d'avant. Oh, ça, c'est insane, par contre. Ça, c'est vraiment violent. Là, j'ai 41. Moins 10, moins 10, moins 9. Moins 8. Moins 6. Moins 3. Plus 51, moins 6. J'ai 46 là-dessus. Oh. Allez, répare feu. Oh là là! Les amis, j'ai ma Tanta Rasa en succès neutre sur un full perf. Allez, c'est maintenant, on clique. Qui crit, évidemment. Il me reste 40 de puits là-dessus. Oh, j'ai tellement besoin. Non, non, l'arme de chasse, les amis, ce sera après le PO. C'est le full perf qu'on joue. Bon, ce sera la dernière Tanta de la soirée. Si ça passe pas là-dessus, je coupe le stream, je vous préviens tout de suite. Les amis, c'est ce que je recherche depuis le début du stream, depuis le début de ce FM. Bon, c'est que le deuxième jour là-dessus, ou le troisième, je sais plus. Deuxième, je crois. Mais si ça pouvait s'arrêter maintenant, ça me ferait du bien. Là, je peux PO et arme de chasse, ou alors même tenter de faire un autre over ou exo d'un style discutable. Bon, on va déjà cliquer le PO et après on verra ce qu'on fait. Les amis, c'est maintenant, on clique. Oh le full perf, oui! Ah, oh, je l'ai mérité, putain. Oh la vache. Oh, ça me libère de tout ce que j'ai subi avant, vous voyez? Bon, on va juste le mettre arme de chasse, on va pas grid de faire de la merde. J'ai 8 tentes armes de chasse, là, si ça passe pas, je suis vraiment le pire des bouffes. Allez hop, c'est plié. J'aurais pu, vous voyez, tenter deux persos en me disant peut-être il peut se passer un ou 2%, mais on va pas faire le con. Là, on a une dinguerie. L'item est signé. Ouf, allez, on va vite mettre. J'en perds mes mots. On va vite mettre la rune transe pour être sûr que ça bouge plus, que c'est dans notre inventaire et que ça y reste. Oh là là, oh c'est bon. Toutes mes peines, c'était pas en vain. Ça valait quelque chose, c'était pour arriver à ça. Oh là là, oh, je suis soulagé. Tous les jours, je veux bien endurer de me prendre deux soirées de FM si c'est pour finir avec des G comme ça. Allez, on clique, c'est bien, dommage sort, ça va sûrement xer leur haut PVP retrait. Oh yes. Oh, je vais prendre un moment pour l'admirer. Je réalise pas encore. 400 vita, 80 chance, 50 sagesse, full perf, arme de chasse, dommage sort. Oh là là. Eh, je me suis pas démonté, hein. Je me suis pas démonté parce que j'ai eu un paquet de grosses grosses tentas qui sont pas repassées. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.